honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes. Déclaration des jurés est oui pour la première question, oui pour la deuxième question, oui pour la troisième question, oui pour la quatrième question, oui pour la cinquième question, non pour la sixième question, oui pour la septième question. Dieudonné. Dieudonné. Oui, Dieudonné. L'homme qui en est revenu, je vous cherchais. Naturellement, vous voulez que je vous raconte des histoires de la Guyane? Non, pas des histoires, une seule. Celle qui m'intéresse, celle du docteur. Le docteur, ah oui. Je connais seulement sa vie là-bas, au bagne. Le bagne. Voilà une chose dont beaucoup de gens parlent, mais que peu connaissent. La véritable vie des condamnés. La brousse, les difficultés de l'évasion. Enfin, ce qu'on ne peut pas reconstituer dans le parc d'un studio. Messieurs la cour. Messieurs, voulez-vous prendre la parole sur l'application de la peine? La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, vous condamne à 20 ans de travaux forcés. Va commencer une existence nouvelle dans un monde nouveau, une existence tragique dans un monde sans issue. Ils partent pour un voyage qui, pour nombre d'entre eux, sera le dernier. Thank you.
Berle la Martinière. Berle le navire qui ne prend de voyageurs que pour l'aller. Les remorqueurs emportent les hommes que la société n'accepte plus. Les hommes punis, ce n'est pas un voyage. C'est l'antichambre de l'enfer où ils vont expier leurs fautes. Implacablement, chaque tour d'hélice les rapproche du pénitencier. Les habitants de Saint-Laurent se sont réunis sur le port pour voir débarquer la triste théorie de la croisière du crime. C'est lorsque son pied se pose sur le sol de la Guyane que le condamné devient vraiment un forçat. Coupable de moindre importance, mais récidiviste impénitent, les relégués par faveur spéciale ont le droit de porter un chapeau. Transportés sont coiffés uniformément du bonnet réglementaire. Leur vie n'est plus à eux. Rayés du nombre des hommes, ils ne sont plus qu'un numéro.
entrez, laissez toute espérance. Les hommes abandonnent leurs vêtements de bure, seul souvenir de la France perdue, pour endosser le bourgeron et le treillis. Cette fois, ce sont de vrais forçats. Leur travail, d'autant plus dur qu'il leur semble sans but, va commencer. Le lorry, poussé par deux relégués sur une voie de Coville, mène du pénitencier à la région des camps de travail forestier. Dessert les tailles où sont abattus les arbres et achemine les bois jusqu'à la Syrie et le seul chemin de fer de la Guyane. À connaître une autre force motrice que celle des bras du bagnard. Les années passent, 5 ans, 10 ans, 20 ans. La journée de labeur terminée, le soir après l'appel, dans les cases. Il n'a rien à dire quand on voit, je suis. Et si son pied alors. Et si, dis toujours. Et si. Mais Rouge, écoute-toi, ferme-la, on n'entend que toi. Hein. On l'a fait, on dit sa gueule. Alors je n'ai pas le droit de jouer, moi alors. Mais si. Hein? Oh, laisse pas le temps de la faire, dis-tu me cavales, toi alors. Comment ça te cavaler sur la ricosse, hein? Oh ben dis, faut le temps de les faire les cœurs. Mais tu vois bien qu'elle est cassée, elle marche pas.
Allez, non, toi, mais quand je gagne du bidon, je suis mis là, tiens le v'là, il faut le gagner. Ouais, allez, si tu veux. Il faut abattre la tête, hein. Faut pas se tromper. Allez, allez, en route. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, Toto. Vas-y. Vas-y, Toto. Moi j'en veux pas. J'en veux pas. Non. Ben tu verras ça. T'as confiance, hein? Oui, j'ai confiance là-dedans. Merci. Ah, hey, tu commences à tricher, t'as retourné là. Ça non, 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 ah, ça nous est en maman. Mais tu vive la belle! 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 Oh, man.
après en avoir délibéré conformément à la loi, vous condamne à 20 ans de travaux forcés. 20 ans, ont dit les juges, mais la dette n'est pas encore payée. La loi dit pour la vie. Et le bagnard devient un doublard, sorte d'homme demi-libre qui vit dans une zone dont il ne peut franchir les frontières. Trois itinéraires s'offrent à ceux qui veulent conquérir la bête. Deux par mer, soit vers Paramaribo, soit vers Trinidad, le plus dur, le plus long, où la mer est particulièrement dangereuse, où les requins pullulent. Une route par les terres, itinéraire numéro 3, comme on le désigne, de la montagne d'Argent va vers la Guyane brésilienne, fort à vierge, marais, désert sans fin. Devant la rive du canal sinistre, comment ne pas évoquer les bords somptueux du Maroni, le fleuve immense au nom maudit. Ces eaux tantôt calmes, tantôt bouillonnantes, image de la vie des hommes qui hantent ces rives, flottent les bois rares. Certains troncs sont trop lourds pour flotter, il faut les amarrer à des pirogues. Viennent-ils de la forêt profonde où travaillent les doublards, la forêt vierge où la nature aussi est sans pitié pour l'homme puni. Il doit lutter à chaque instant contre les dangers de la brousse, les serpents, les vampires, les monstrueuses araignées graves le guettent, la fatigue l'écrase.
Opale, comme ailleurs, le travail crée des liens d'amitié. Mais il est un moment où l'homme n'en peut plus. La hantise de la liberté, de la belle, comme on dit là-bas, est plus forte que tout. Il n'écoute plus les conseils de son camarade, lui montrant les dangers de l'évasion. Et quand celui-ci veut le retenir par la force, son destin s'accomplit, il le terrasse, il fuit.
Son premier travail d'homme libre, il cherche de l'or. Des nuages immobiles où il n'a pas plu depuis 8 ans. Maintes fois, l'homme a envie de tout abandonner, de se coucher sur le sol et d'y attendre la mort. Mais son désir de la liberté lui donne la force de marcher malgré tout, et quelquefois, il atteint son but. Io devo un tappa nella cabeza da morena che finché con tanta pena deve avere il suo granadaro. E cattivo vivo. Io devo un tappa nella cabeza da morena che finché con tanta pena deve avere il suo granadaro. Voglio un bambu di un bambu, voglio un bambu di un bambu. Thank you.
fameux plan, coffre-fort intime du forçat. Qu'il a affaire à un évadé. Il l'exploite. Et le malheureux prend avec joie le peu d'argent qu'on lui donne, viatique qui lui permet de poursuivre sa marche vers la liberté. Un petit café près d'ici où se réunissent des amis, ceux qui se souviennent. Entrez donc. Savez-vous ce qu'il est devenu? Oui. Il est toujours là-bas, en Guyane brésilienne, dans un petit village dont il est la providence. Il s'est racheté, il soigne, il sauve les indigènes qui n'avaient avant lui que les remèdes du féticheur. Enfin, il a retrouvé l'occasion de pratiquer son art, et cela l'aide à vivre. Tâche finie, quand la nuit tombante, il voit au loin un bateau qui vogue vers la France, sa patrie à jamais perdue, le désespoir le reprend, que ne saurait atténuer les sympathies qu'il a su se créer. Oui pour la première question, oui pour la deuxième question, oui pour la troisième question.
la quatrième question. Oui pour la cinquième question. Non pour la sixième question. Oui pour la septième question. En somme, il s'en est tiré. Oui, si on peut appeler ça s'en tirer. Mais combien d'autres sont restés enlisés sur la route de l'évasion, dans la vase des palétuviers? Enlisés dans la vase? La vase est partout sur les côtes. Et Bonnet, tu te souviens? Si je me souviens. Nous étions partis à 7 de Cayenne, en pirogue vers le Brésil. Le cinquième jour, nous avions fait naufrage. Dans la nuit, nous nous sommes dirigés à tâtons vers la côte. Au bout d'une heure de ce travail, nous avons atteint un banc de vase, un immense banc de vase d'un kilomètre. Là, il n'était plus question de nager. Nous sommes accroupis, nous avons avancé en jouant des coudes et des genoux pour ne pas être avalés. Au bout de plusieurs heures de ce travail inouï, nous avons enfin accosté dans les palétuviers. Nous avons passé le restant de la nuit perchés sur des tas de bois morts. Au petit jour, nous avons fait l'appel. Venez manquer. Quelques instants après, nous avons entendu des cris venant du large.
Oh, oh, oh. C'était Venet, pris sans doute par les jambes dans la vase. Nous ne pouvions pas lui porter secours, sous peine d'être enlisés nous-mêmes. Peu à peu, la mer monta, et Venet fut englouti. Il ne resta plus, enfin, que sa main dressée au-dessus de l'eau. La Loire a quitté la salise, maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un troupeau de chiens qu'on mène crever dans une île. Mais alors apparaît la pelle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds. Rien ne sera trop beau pour elle, pour la liberté, les coquins auront notre chair de coquin. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même quand ce que tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la tête. D'autres qui sont partis par la brousse, les pieds déchiquetés, sont morts de faim et de soif et ont été dévorés par les fourmis. Il n'en reste plus que leurs os blanchis dans le désert de la soif. Il y en a un dont il me reste un souvenir. Lequel? Le plastron de Robert le Tatoué. Tiens. Mon camarade. Robert le Tatoué. Présent. 20 ans que l'on est à Cayenne, on a fait le tour du malheur. Le pont est devenu voleur et le loup s'est changé en hyène. Le vieux bagnard est sans ressort. S'en vont-il vivre dans sa honte? Il fait la paix avec le sort. La bête est morte, il a son compte. Mais alors apparaît la pelle, la faim, la lèpre, le...